Bonjour. Revenons à l'article de presse de la vidéo précédente. L'enquête réalisée ici est un sondage, c'est-à-dire le tirage d'un échantillon dans la population. Comment savoir si ce sondage a été bien fait d'un point de vue statistique? Nous avons déjà parlé de la représentativité et de la taille d'échantillon. En général, mieux vaut un petit échantillon représentatif qu'un grand échantillon peu représentatif. Mais d'autres caractéristiques ont un impact sur la qualité d'un sondage. Un sondage repose d'abord sur des objectifs de recherche. Dans notre exemple, on souhaite connaître les intentions de vote des Belges. À partir des objectifs, on identifie une population d'intérêt. Il s'agit ici de la population belge de 18 ans et plus. Il faut ensuite définir les modalités de la collecte des données, l'échantillonnage, la taille d'échantillon, la méthode et le moment de la collecte. Nous avons déjà parlé d'une famille de techniques permettant d'obtenir un échantillon représentatif de la population, l'échantillonnage aléatoire. Un cas particulier consiste à sélectionner les individus au hasard dans la population. C'est l'échantillonnage aléatoire simple. Mais de nombreuses autres approches, aléatoires ou non, existent. Dans le grand baromètre, le sondage a été effectué à l'aide d'un échantillon stratifié sur les régions. La population est divisée en sous-groupes homogènes, appelés strates, et des échantillons sont sélectionnés séparément dans chaque strate, ici les régions. Cette approche permet d'obtenir des résultats plus précis et de réduire la taille d'échantillon total. Pour mettre en œuvre un échantillonnage aléatoire, il faut disposer d'une base de sondage, une liste de tous les individus qui font partie de la population, et avoir accès aux différents individus afin de pouvoir les sélectionner dans l'échantillon. En pratique, ces conditions peuvent être difficiles à remplir. Les instituts de sondage utilisent donc souvent une approche non aléatoire, la méthode des quotas. Un nombre cible de répondants est défini à partir de caractéristiques connues et pertinentes de la population. Par exemple, si la population d'intérêt a les caractéristiques reprises dans la table de gauche, un échantillon de 200 personnes devrait avoir le profil de la table de droite, pour être représentatif en termes de sexe et d'âge. L'enquêteur va enregistrer le sexe et l'âge des personnes interrogées et ne plus interroger les personnes d'une certaine catégorie lorsque le quota aura été atteint. La méthode des quotas fournit un échantillon qui représente la diversité de la population par rapport à quelques caractéristiques, bien qu'il ne soit pas aléatoire. Un autre aspect à définir est la méthode de collecte des données. Les sondages sont en général effectués en face à face, par téléphone, par internet ou sur papier. Chacune de ces méthodes a des avantages et inconvénients propres et un impact sur la représentativité des données. Par exemple, le grand baromètre est effectué par internet. La collecte des données est rapide et peu coûteuse, mais l'échantillon n'est pas complètement représentatif, car la partie de la population qui n'utilise pas internet n'est pas prise en compte dans la sélection de l'échantillon. En prenant en compte ces différents aspects, qu'est-ce qu'un bon sondage? Un bon sondage repose sur un échantillonnage, une méthode et un moment de collecte des données qui sont adaptés aux objectifs et aux publics cibles. Si vous souhaitez étudier les habitudes alimentaires des Belges au quotidien, faire une étude à Noël vous donnera des résultats incorrects. Collecter des données sur les réseaux sociaux ne vous donnera d'indications que sur ce que pense une sous-partie de la population, celle qui est active sur les réseaux sociaux. Un bon sondage repose ensuite sur un échantillon représentatif de la population d'intérêt et d'une taille suffisante pour pouvoir tirer des conclusions valides. Une étude controversée de 1998, qui associe la vaccination à l'autisme, repose sur un échantillon de 12 personnes. De nombreuses autres études avec des échantillons plus importants ont depuis démontré que ces résultats ne peuvent pas être généralisés à la population. L'article d'origine a depuis été rétracté. Un bon sondage doit de plus reposer sur un questionnaire pertinent et neutre. Des questions biaisées peuvent compromettre la qualité des résultats. Mais même un bon sondage a des limites. Il n'est possible de tirer des conclusions qui s'appliquent à la population que sur ce qui a été mesuré. Nous ne connaîtrons jamais les réponses qu'aurait données une personne qui refuse de participer. La dernière étape du sondage est l'analyse
et l'interprétation des données. Le titre de l'article sur le Grand Baromètre est « Le MR devient le premier parti en Wallonie ». L'article précise que le PS a 20,7% d'intention de vote en Wallonie et le MR 21,4%, soit une différence de 0,7 points de pourcentage. Nous avons vu que la marge d'erreur pour la Wallonie est de 3,2%, c'est-à-dire que la vraie proportion des intentions de vote dans la population peut fluctuer de plus ou moins 3,2 points de pourcentage autour du résultat obtenu. Quelle est votre conclusion ? Le MR n'est pas devenu le premier parti de Wallonie, mais est au coude à coude avec le PS. Une fois la marge d'erreur prise en compte, les résultats des deux partis sont équivalents. Le titre de l'article est donc trompeur, mais la lecture du petit paragraphe technique à la fin nous donne toutes les clés pour nous faire notre propre avis sur la question. En conclusion, l'échantillonnage et les sondages sont des outils précieux pour décrire le monde qui nous entoure lorsqu'ils sont mis en œuvre correctement. Il est cependant important de garder du recul par rapport aux chiffres, afin de faire la différence entre une démarche scientifique qui apporte des informations fiables et des statistiques de mauvaise qualité ou mal interprétées. Nous vous invitons donc à poursuivre l'aventure et acquérir une vraie culture des données, ou « data literacy », qui vous permettra d'exercer votre sens critique face aux informations que l'on vous donne. Vous trouverez quelques pistes dans les sources que nous vous proposons.